Elémé qui a fixé et qui va frapper, voilà qui est fait. Il frappe le cadre de manière assez... C'est Mascarell. Et encore Iban Salvador. Agbolosu, fortement sollicité dans ses 13 premières minutes. Et finalement, Togolais, on joue assez bas. On va voir. C'est tendu, c'est très bien fait. Bien sûr qu'il a été mieux tiré que le précédent. Quel coup de tête d'Assué sur ce corner tendu, parfaitement repris. Sou qui cette fois-ci n'a absolument rien pu faire sur ce corner. Pour être au-dessus du Togo, certes, mais là, enfin, je crois que je dis une bêtise d'ailleurs. En fait, c'est... Il n'y a pas eu du tout d'appel qui a déclenché la passe. C'était mène son équipe vers le sommet. Pour l'instant, on en est loin. La preuve, faute d'Amen Nido. Qui va... Oh là là, l'erreur. Et le deuxième but, non. Il ne fera pas un doublé sur ce coup-là. Oui, Philippe, vous avez raison. En soutien, il a Karim. Il va intervenir sur une phrase de Claude que j'ai mise de côté. Ça me paraissait pas le chaud aussi. Debout. Et c'est bien ça le plus important. Oui. Non, c'était en quart. Une très mauvaise passe. Et ça peut faire très mal. Iban Salvador. Oui, c'est juste à côté. Juste à côté. Miracle d'Agbolosu. Avec cette illusion d'optique, là, je corner ce match, Philippe. C'est ce qu'on va savoir avec une variante cette fois-ci. Il n'existait pas à l'époque de la CAN. Enemé. Ce qui a du sens. À juste titre, oui. Celui de Bata. Coup franc de Salvador. Edenke, ça c'est bien joué. S'appuyer, bien fait Iban Salvador vers Enemé. Ce ballon a été détourné, ce sera un nouveau corner. C'est vraiment la panique dans la défense des Éperniers. Là, s'il n'y a pas l'intervention de... Oui, mais il faut bien le négocier là. Derrière, l'inépuisable Iban Salvador. Cette avance. Ce ballon là-bas, il est pas mal. Du jeu direct pour les Éperviers. Et faute de Den nous attend demain. Attention à Luis Assué, il est passé. Luis Assué, attention de ne pas tomber dans le précipice. La frappe d'Obiang. Et maintenant Pedro Obiang. Assué, frappe enroulée. Ouais. Ça fait quand même pas mal de tirs. Hein. Pas mal. Mais tout de même assez largement au-dessus. Et en transversal sur ce tir, c'était pas fini. C'est mérité. Ils ont poussé les Éperviers et ils sont récompensés avec ce but de qui donc? De Aoulou, justement. Incroyable. Après une première tentative renvoyée par l'action dans sa globalité, parce que on en a parlé en début de rencontre. C'est vrai. Totalement par hasard non plus. Et comme par hasard, quand beaucoup de ballons passent par Karim, c'est son premier but avec les Éperviers. Et peut-être pas un deuxième là. Du tout. Ouais. Même Iban Salvador ne réussit plus rien non plus. Pacifique Ndabia Wenimana vient de siffler la fin de cette première période entre la Guinée équatoriale. C'est bien Titi qui est sorti. Ce qui veut dire que Romao... Glisser ce ballon à son capitaine Iban Salvador. Il a levé la tête, le centre en retrait avec Iban Salvador. Dommage. D'un but à l'autre. Signe. Oh là là, l'épaule contre épaule. Quand on disait que le foot reste avec Amenido vers Denke. Superbe sauvetage de Coco. Oh, c'est un vrai arrêt pour tirer ce corner. Les deux adversaires. C'est pas terminé pour Denke. Casse. L'accélération. Denemé qui se retrouve au sol. C'est pas sifflé, assez quand même. Si. Je commençais à douter de tout. Coco maintenant aussi qui va se placer au second poteau. C'est parti. Oh, bien joué la remise avec ce ballon. C'est Miranda. Il faut venir l'aider. C'est qu'il évoquait. On va quand même suivre cette action de la part de Claude en disant qu'incorporer des joueurs locaux, ça permet de régénérer. Sélectionneur. Connaît bien le pays, très impliqué, oui, qui s'implique dans le pays, qui vit. Et la connaissance du. Les volants au pays. Qui a fait beaucoup, qui a été plutôt pas mal. Donc, il faut Athée maintenant qui est dans le couloir droit de cette équipe. Avec un corner.
à venir, ouais. On sent qu'il y a de la fatigue aussi qui est. Il me semble que oui. Hommage. Oui, il y a un staff. Notre consultant manager général de cette équipe du Togo, Serge Akpo. Coco, par-dessus tout le monde. Oh, il est passé. Oh, c'est raté. Athé. Il y a du monde dans la surface de réparation. Il y a voilà la Guinée équatoriale dans une transition offensive qui, si elle va au. C'est là où. Ils peuvent. Première période. On parle Togo, on sait de qui il s'agit. Petite main là, non? Ouais, oui, oui, oui. Petite mimine. Le Picaro. Alors ça va être très rentrant. Ah, elle est bon bonne, elle est bonne. Avec Karim, le centre au deuxième poteau. Oh Aïe. Les espoirs de succès viennent de s'envoler sur. On voit. Avec ce ballon Assué, avec Bullard. Et but. Là, c'est terrible. La punition. En plus, un tir dévié, c'est pas possible. La Guinée équatoriale n'en demandait pas tant. Yannick Bullard, entré en jeu il y a quelques minutes, permet. Onzalang National de reprendre. Attention peut-être ici, ce centre en retrait. La reprise. Centre. Il fait rentrer quand même un attaquant dans son première loge. Et, oui et voilà. Et voilà. Oh, le coup de casque. Oui, le Togo va imiter le Liberia de vendredi dernier et prendre un point au bout du suspense. Quel coup de tête. Et bon, ils vont célébrer avec les...